بونجور اي سويي لي بيانفوني. هذا اقتراح بالنسبة للسنة الثالثة متوسط كفرض أو كاختبار حسب الدروس. Je suis née en 1937 dans un petit village. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, je perdis mon père. ولدت في سنة 1937 في قرية صغيرة وأتذكر أنني عندما بلغت 3 سنوات فقدت أبي. Ma grand-mère et ma mère travaillaient aux usines de textile et je trouvais un emploi moi aussi dans ces usines. Mais je n'abandonnais jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote d'avion. Comme bien d'autres jeunes soviétiques, j'étudiais, je travaillais et j'admirais beaucoup le sport. جدتي وأمي عملتا في مصانع للأقمشة وأنا أيضا وجدت عملا في هذه المصانع، لكنني لم أتنازل عن حلمي في الحياة الذي كان قائدة طائرة. ككل الشباب السوفيتيين درست عملت وأعجبت برياضات كثيرة. C'est le 12 avril 1961 que l'espace est entré dans ma vie. Peu après le vol de Yuri Gagarin, des hommes rendirent visite à notre aéroclub et nous demandèrent si cela nous intéressait en tant que femmes de devenir cosmonautes. Nous fûmes nombreuses à répondre affirmativement. Plus tard, je fus convoquée pour passer une série d'épreuves et un examen médical avant d'être finalement admise dans l'unité des cosmonautes. Ce souvenir a été marqué dans ma mémoire. D'après Valentina Tereshkova, l'histoire de ma vie. في 12 أفريل 1961 دخل الفضاء حياتي. بعد تحليق يوري جاجارين في الفضاء قام رجال بزيارة نادينا وطلبوا منا إذا كنا راغبين أن نصبح رائدات فضاء كنساء. كنا كثيرات ووافقنا بعدما استدعيت لإجراء سلسلة من المسابقات وأيضا فحص طبي قبل أن أقبل في وحدة الفضائيين. هذه الذكرى ما زالت راسخة بذهني. Compréhension de l'écrit. Fahm al-kita al-maktoub. Ce texte est extrait d'une biographie, autobiographie, bibliographie. Justifie ta réponse en relevant du texte deux indices. يعني هل النص هذا عبارة عن biographie؟ ما نعاودش نشرح الكلمات لأننا شفناهم في دروس مستقلة. Biographie ولا autobiographie ولا bibliographie. علل إجابتك بأدلتين من النص. Deuxième, qui parle dans ce texte? من يتكلم في هذا النص؟ Trois, quel était le rêve de l'auteur? ماذا كان حلم الكاتبة؟ Quatrième, relève du texte le synonyme du mot souligné. استخرج من النص مرادف الكلمة المسطرة. Je me souviens de mon enfance. 5. Vrai ou faux? صحيح أو خطأ? Valentina perdit son père à l'âge de 3 ans. La grand-mère de Valentina était une institutrice. Valentina était acceptée dans l'Institut des cosmonautes. 6. Je me rappelle quand j'avais 3 ans. أتذكر عندما كان عمري 3 سنوات. Est-ce que c'est la narratrice adulte ou la narratrice enfant qui dit ces paroles? يعني شكون اللي قال هذه الجملة؟ هل هي الكاتبة المراهقة أم الكاتبة الطفلة؟ Septième question. Relève du texte une phrase qui exprime la comparaison. استخرج من النص جملة فيها تشبيه. Huitième. Écris les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent. Imparfait et présent. اكتب الأفعال بين قوسين في الزمن المناسب. في l'imparfait ou في le présent. Je se souvenir du premier roman que je avoir lu. Quand je être jeune. Neuvième, relève du texte un déterminant possessif et un autre démonstratif. يعني أدات ملكية وأدات تشبيه. Dix, réécris le passage souligné dans le texte à la troisième personne du singulier. Le passage اللي مصدر هو j'étudiais,
Je travaillais et j'admirais beaucoup le sport. هذه نكتبها à la troisième personne du singulier. Production écrite, تعبير كتابي, raconte un souvenir d'enfance qui t'a marqué et qui est resté gravé dans ta mémoire. يعني اكتب ذكرى من طفولتك من المرحلة الطفولية تاعك وبقيت راسخة في ذهنك. Critère de réussite, tu emploies le verbe se souvenir ou se rappeler. Tu utilises le présent de l'indicatif et l'imparfait. Tu emploies les déterminants possessifs et démonstratifs. Bon courage et la correction déroulera inchallah la prochaine vidéo.